De multiples applications de rencontres naissent au jour le jour, mais une seule fait la différence, Yamo Africa. Yamo Africa, votre application de rencontres 100% africaine et fiable. Sur Yamo Africa, trouvez l'amour dont vous avez tant rêvé. Est-ce qu'il a fini de manger directement, il s'est levé pour partir? Oui, tu crois qu'il n'a pas payé, mais quand il vient, il dépose d'abord son argent. Ah, d'accord. Il sait qu'il mange 600 tous les matins. Quand il vient, il dépose son argent, il s'assoit, je fais son petit déjeuner, il mange puis il part. Bientôt, c'est toi qui dois m'envoyer. Mon chéri, tu sais que c'est grâce à toi que j'ai ce café. Ah, je sais. C'est naturel. Je te dis, je vais te gâter. Je vais te gâter. T'inquiète, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Exactement. Voilà. Bon, j'ai une petite course tout à l'heure. J'ai un client à Bonabiri. Ouais. Il cherche un emplacement à Andobo. Andobo. Je vais aller négocier ça pour lui. Et je suis sûr que d'ici la fin de la journée, ce serait concluant. Mmh, hein? Mmh. Et je ne te dis pas. Ce soir, je t'amène dans une boutique. Ah bon? Je t'amène dans une boutique. Je vais t'acheter des petits vêtements sexy, choco. Je serai trop sexy et j'ai même peur que les gens vont venir ici. Non! Nous ne sommes plus dans les années 70. Ah nous bon? Sommes dans les années 2000. Et avec le réchauffement climatique, on porte les vêtements de plus en plus petits, dans les démembrés, les matelots. En 2000, il fait plus chaud et on s'habille avec des petits vêtements. Voilà. Un peu comme chez les Blancs. Un peu comme chez les Blancs. J'aime être celui-ci, mais j'avoue qu'après avoir passé ce moment avec vous, changer d'avis. Oh, ne vous inquiétez pas, je serai toujours disponible quand vous voudrez. Je parle des amis là. D'accord, espérons donc qu'ils pourront faire passer du bon temps qu'avec moi. Monsieur, oui. Votre facture. Ah, d'accord, merci. Je pense avoir un peu. Ça va, je vais gérer. Merci. Attention. La prochaine sera... Aïe! Prenez place. Ok. Merci. Bon les filles, je vous fais chacune une tasse de lait, non? D'accord. Voilà encore. Elle est sympa. Oh, très sympa même, t'as pas idée. Mais pas comme toi. Non, même plus que moi même d'ailleurs. C'est vrai ça? Oh, tu auras l'occasion, laisse. Wow, c'est super. C'est comment? Chérie. Qu'est-ce que tu regardes là? Non, c'est rien, ok? Il n'y a rien. Ma chérie. Oui. Pourquoi tu... Dis-moi, qu'est-ce que tu regardes là? J'ai plus le droit de regarder. Tu regardes la nature. Mais tu regardes mon mec. Quel mec? Celui-ci. Il y a 10 garçons là.
Elle rit, elle montre ses dents. Donc c'est pour le bâton si là. Pardon? Que tu me parles fort. S'il vous plaît, arrêtez. Oh, tu la fermes. Tu la fermes. Quand tu penses qu'avec tous les garçons qu'il y a ici, ça avait le même ce truc qui avait sorti jusqu'à tu te vantes. N'importe quoi. S'il vous plaît, les filles, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi tout ce bâton? Demande à celle que tu appelles copine. Non, je te demande à toi, c'est quoi? Tes copines me trouvent assise avec mon mec. Elle prend son temps pour dévisager celui que j'aime. C'est une raison pour laquelle tu dois créer autant de vacances dans le lieu de commerce de maman. Non, mais attends, si tu veux voir ton mec, va aller ailleurs. Ici, ce sont les clients. Ce n'est pas toi qui dois garder le marché de maman quand même. Donc, ta copine drague mon mec, je dois... Non, ce n'est pas sérieux. Tes invités, je les respecte. Respecte les miens. Oui, respecte les miens, honnêtement. J'ai pas le droit de dire. Ce sont les clients. Je n'aime pas ça. Je t'ai jamais fait un coup pareil. Ok. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Maman, c'est ta fille. Qu'est-ce qui se passe? Dis non. Qu'est-ce qui se passe? Maman. Vous allez répondre. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas répondre. Maman, la copine de Kamu a dragué mon petit ami. Partez avec nous. Ton petit quoi? N'importe quoi là! C'est pas possible! La copine de draguer ton petit quoi? Je t'ai dit quoi le. Je t'ai dit quoi l'autre jour? J'ai dit que je veux pas voir le gars là ici non? Je t'ai dit ça! Hein? C'est mon lieu de commerce ici! Si tu as rendez-vous avec ton mec, allez ailleurs, pas ici! C'est compris? Oui, je vais te gifler, ta face va devenir rouge! Mais tu te prends pour qui là? Tu me connais assez non? Oui, maman! Si je le vois encore ici un jour, je vais te couper l'oreille! Tu m'as entendu? Oui, maman! Merde! Allez, passe ta soie là-bas! Passe ta soie! Merde! Vous vous amusez avec moi? Je vous ai toujours dit que ici, c'est le lieu de commerce. Et c'est moi qui cherche l'argent ici. Vous savez, c'est ce commerce que je vous nourris. Votre papa est mort depuis, vous avez vu qui m'a aidé ici. Ah! Tu me connais assez! Je veux te chiffrer, ta face là va devenir rouge. Merde! Mon petit ami! Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Faut que je le voie encore ici. C'est le corps là. Allez, les choses là! Et ce qui est là-bas? Bif! Je peux pas me déplacer. Il y a toujours un désordre ici. Vous savez que tu n'as pas mangé depuis un matin, c'est ça? Hey! Enfin, que quand on menace comme ça. Alors,
Ça va? Bon, tu sais, malgré ce bobo, j'ai... Il était une fois une femme qui vivait en harmonie avec son mari. Un jour est arrivé, le mari est décédé. Le calvaire a donc vraiment commencé pour la veuve femme. La veuve femme aujourd'hui l'a nommée Mamie Choco, mes amis. Elle est dérangée, elle est surpassée. Tous les jours, mais chez amis, c'est la vente de son mari. Puisque sa belle famille ne lui donne pas le lait, les menaces par-ci par-là. Elle met la maman Choco, elle n'était pas facile. Un jour est arrivé, elle a décidé vraiment, mes frères, de faire quelque chose pour envoyer ses enfants à l'école. Pour survivre dans la vie, chose promise, chose faite directement.